as I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. Your suffering will be legendary even in hell. Toujours cette petite menace, hein. De Pinhead. Je crois qu'on va la garder. À chaque fois je dis ça, mais on va la garder en préambule à chaque fois de nos streams. Partie 7 de l'excellent Silent Hill 3. Est-ce qu'on a besoin de le rappeler? Excellent jeu. Hier nous nous étions laissés sur cette énigme qui n'en est pas vraiment une, avec cette chère Heather qui devait mettre une pomme dans la main de Blanche-Neige, pomme ou quelque chose d'autre,
Mais sur et une chaussure au pied de Cendrillon, évidemment. Nous avons déjà fait ce qui concerne Cendrillon, mais nous n'avions pas à ce moment-là l'objet adéquat pour Blanche-Neige. Donc là, c'est la sauvegarde. Nous étions rendus ici. Lumière tamisée, ambiance feutrée. Un petit endroit sympathique. Et nous avons surtout récupéré, que je regarde dans les objets. Voilà, t'es gentil. Une tête de poupée. Alors, descriptif, ça serait assez mignon sur une poupée normale. Mais juste la tête. Mais alors, je viens de voir qu'on a le calepin de Douglas. Sans doute le calepin de Douglas, je dois me souvenir de le rendre. On va l'examiner. Bah, évidemment. Client, Claudia Wolf, requête, recherche enfant à l'époque. On l'a déjà lu. Alessa Gillespie, kidnappée par un certain Harry Mason. Oui, on l'a déjà lu. Aucune nouvelle de la police, lieu du kidnapping inconnu. Article paru dans un vieux journal de Silent Hill. Alessa Gillespie, décédée dans un incendie. Lien avec l'affaire en cours. À investiguer. Oui, on l'a déjà lu. On l'a déjà lu. Mais je me souvenais plus que c'était le calepin de notre ami Douglas. Au niveau de la vie, est-ce qu'on a une petite. En provision. Oui. On est déjà full vie là? Non, là on est full vie. Parfait. Allez, on retourne voir Blanche-Neige. Hein? C'est bien de ça dont il s'agit. Je crois que c'était par ici. Hein. C'est juste à côté. Voilà, c'était juste là. Donc là, on avait mis l'escarpin, la godasse. Hein, les plus vulgaires diront la godasse. On a mis la godasse rouge au pied de notre ami Cendrillon. Et là, si on n'est pas trop bête, hein, ça nous arrive. On va utiliser la petite tête. Je mets la tête de poupée dans la main de Blanche-Neige. Alors par contre, je ne vois pas le lien. Mais bon, ça a dû débloquer quelque chose. Non. Oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est retourner la caméra. Ils essayent de nous faire peur. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? J'ai plus la vision d'aigle. Non, pas la vision d'aigle d'Assassin's Creed. Assassin's Creed, pardon. J'avais une vision normalement. Enfin, bon, c'est pas grave. Une caméra libre, je voulais dire. C'est le dragon qui garde les coffres au trésor. C'est qu'un décor, rien d'effrayant. On a le choix entre la possibilité d'aller là. La porte n'a ni bouton ni poignée, ok. La porte est coincée, j'ai beau forcer, mais pas moyen de l'ouvrir. Ok, on continue. Je pense qu'on va terminer le jeu ce soir. Hein. Oula. Là, c'est pas mal. Là, on l'a bien eu, là. Là, on l'a feinté, là. On s'est pas fait avoir. Il y a un macapé dans cette espèce de boîte. Un petit F5. Mange pas de pain. Skyflower. Pas mal, pas mal, pas mal. Trousse de soins. Qu'est-ce donc? Jamais vu ce manège encore. Hein. On l'a jamais vu. Un guichet à tickets. Il n'y a personne. Je vais y jeter un coup d'œil. Ce manège n'est pas très attirant. Et je dois aller par là, je le sens. Pas vous, mais moi je vais prendre le flingue. De toute façon, on n'a plus de. Ah si. On va prendre le shotgun.
Oula. Il y a un papier à lire là. Une note est clouée sur le côté du cheval. Quand les 13 tours, tu passeras à 4, tu mourras de leur malédiction. Pour trouver une issue, il n'y a qu'un moyen. Tue avant d'être tué. Tu seras sauvé par la 12e mort. Bon, moi je me pose pas de questions, je shoot. Hein. Tirer sur les chevaux. Oh, hey. Avant de faire des bêtises, on va prendre le katana. Ah, ils sont complètement. Je sais pas du tout quoi faire là. Ah voilà, c'est comme ça que je remets la... Ah, c'est les chevaux qui font ce bruit là. C'est bon. Il faut tuer tous les chevaux, a priori. Bien fait de prendre le katana, ça nous permet de faire des économies de balles. Je sais pas si je fais bien. Salut William. Hi William, how are you? First one. Chosen one. I have to kill some horses. These horses. How are you my friend? Je demande à William comment il va. Politesse française oblige. Politesse française oblige. Bon, on se fait les canons à sang, hein. J'ai pas du tout souvenir d'avoir dû faire ça. Hein. Il en reste un là. Ah, ça recommence. Je sais pas, on va voir. Good, hope it's the same about you. Yeah, it's the same about me. Thank you, William. You are kind. Je dis à William qu'il est très gentil, que je vais très bien. La petite mouche. Ah, elle s'est posée juste sur la petite rambarde, cette coquine. Coquine. Pourquoi pas? C'est notre double maléfique. On va prendre le shotgun hein, pour notre double maléfique. Ah, elle bloque. Elle est où? Allez, cours. On va la triguer. On va la mindfucker. Petite musique chamanique. S'il en est.
Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, j'ai plus de balles. Bon, bah. Est-ce qu'on peut recharger ça? Non. On va reprendre le flingue, hein. Notre meilleur ami. Voilà. Où tu vas, toi? C'est bon, elle est morte. Attendez, on va reprendre le katana pour se faire celui-là. Non, ça ne sert à rien. On va reprendre les balles. Elle est revenue à la vie, hein, alors peut-être que je fais mal les choses. Hein. Peut-être que je fais mal les choses, hein, c'est possible. Attends, on a plus que 10 balles. Ah non, c'est bon. Elle... Eh, oh là là! On se soigne là. Vous le voyez pas, mais moi derrière moi ça me dit attention, attention. Ça me dit attention, Romain. Je gaspille mes petites balles. Merde, elle recharge. On joue pas trop mal là. C'est du bien joué, comme dit Rupert. Oui, c'est nous en version... c'est notre double ganger, comme on dit. Elle m'a touché, là. Allez, recharge, si on peut. On peut pas, on a plus que 2 balles. Ça va se finir... Ça va se finir au mano mano, ça. C'est plus chaud à mano mano. Allez, viens par ici, moi j'aime bien. J'aimais bien quand on se battait ici. Bon bah j'ai plus de balles. Je laisse. Non, on peut pas recharger. Et là, on peut pas recharger. Bon, le katana. Hein. Elle aime pas. Par contre, c'est plus, c'est moins safe. Allez, viens là. Oh, ça va se faire, ça va se faire bien, ça va bien se faire. On va y arriver là. Elle m'a pas l'air. Ça se trouve c'était le coup qui nous tuait ça. Non, on n'est pas dans le rouge. Oh, mais en plus elle était trop loin. Allez. Bon, ça va plus vite au katana. Hein. Ça va plus vite. Tell me, William, the sun is good, the game is not too loud. Oh putain, mais là, si elle y va à la mitrailleuse, on est dans la merde. Merde, là, si elle y va, les mitrailleuses. Allez. Allez, la coquine. Oh là 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 là. Bon, ça va aller.
je joue moins bien, hein. Vous avez remarqué? Oh là là, oui. Elle va me tuer, j'ai pas envie. Non, ça va. On est pas trop mal. Allez, je l'utilise parce que j'ai pas envie de tout refaire. Ça se trouve, c'était très très puissant. Allez, c'est bon, on l'a eu. C'est bon là? Oui. J'ai cru qu'il y avait une cinématique, mais pas du tout. Absolument pas. Qu'est-ce qu'elle regarde? Ah, il y a une marque au sol. Ça serait mieux pour moi de mourir après tout. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Cet enfant, ce démon, quand je pense à la douleur incessante que sa naissance va entraîner, j'ai décidé que plutôt que d'endurer la souffrance et la cruauté dans cette infirmerie, j'allais m'octroyer, à moi-même, une mort plus douce. Pourquoi je résiste? J'aurais jamais cru être aussi idiote. Et ça, ça me fait bizarre de t'appeler ainsi, puisque tu es moi. Mais après tout, toi et moi, on est différentes. Et ce n'est pas que je me souviens pas de cette infirmerie. Et pour partir? Oui. Un petit F5. Un F5 de qualité, hein, ce soir. De qualité. All is perfect, William. It's good. If it's good for you, it's good for me. Thank you. Thank you for your feedback. I think we will finish. We will beat the game tonight. Je dis à William que si le son est bon pour lui, c'est bon pour moi. Et je pense qu'on va terminer le jeu ce soir. Il y a quelque chose d'écrit là. Taché par les démons de ce monde. Nous gardons en nous notre chagrin. Toi seul peux guérir nos blessures. Chaque matin, midi, soir et nuit, nous invoquons ton nom et prions pour ta descente miraculeuse. Encore une secte. Secte. Ah, il y a encore de la lecture. Il y a encore du graffiti. Sans réserve, je te donne mon corps et mon âme éternelle. Quelles que soient les ténèbres qui m'entourent, je souffrirai avec toi, à mes côtés. C'est poétique. Dommage que la traduction ne suive pas. Avec tes pouvoirs miraculeux, guide nos âmes volontaires et obéissantes sur la route du paradis, ô mon Dieu. Nous ne céderons pas à la tentation tant que tu seras présent dans nos cœurs. Ça sent la fin du jeu, hein. Ô mon Dieu, sauve-nous de la compassion. Ô mon Dieu, couvre-nous de tes grâces. Ô mon Dieu, accorde-nous ton abondance. On a un petit truc pour nous faire un petit peu bugger. Mindfuck. Hein, comme on dit communément. Alors, il y a quelque chose d'écrit sur la porte. Cette porte mène à la route du paradis. Embrassez la poitrine de la mère sainte. Admettez vos péchés et soyez pardonnés. Que la tranquillité éternelle soit avec vous. Bon. Bah moi ça me dit surtout qu'on va faire un F5 et qu'on va faire un petit coup de la mouche. Ça faisait longtemps. Voilà. Et voilà. C'est le destin de toutes les mouches. Alors Dahlia, t'as tué mon père? It was Vincent, wasn't it? He led you here. When will he cease his meddling? But it's just as well. Luring you here also serves my purposes. Checkmate. Not yet. The time is not yet at hand. The time when all will be forgiven their sins. Mais c'est pour toi qui décide du planning. When the paradise long dreamed for will arrive. After the judgment and atonement, an eternity of bliss. Oh, Alessa,
The world you wanted is nearly here. That's not what I want. Not you. Alessa, your true self. But I am Alessa. My little Claudia, my dear sweet sister. Alessa, is it you? Oh, how I've missed you. I don't need another world. Les tableaux, très joli, hein. It's fine the way it is. But you said it yourself. The world must first be cleansed with fire. But that's not what I want now. Alessa, don't you want happiness? Have you become blind to all the hopeless suffering in the world? We all need God's salvation. Listen, suffering is a fact of life. Either you learn how to deal with that or you go under. Je suis assez d'accord avec elle. Une partie intégrante de la vie. But you can't keep hurting other people. Besides, I'll never forgive you for hurting my father. Oui, ça c'est une bonne raison. I wish only for the salvation of mankind. But for that to happen, the world must first be remade. And for that, we need God. You self-righteous witch! No one asked you to help! Encore un petit mal de bide. You despise me, don't you? You're damned right I do! That's good. Ça sent la fin du parcours, là, hein? Ça sent le final boss. Ok, c'est très très joli, hein. La version HD là est magnifique. Là, c'est magnifique. Une petite note avant la save. J'ai la carte de tarot œil de la nuit. Très bien. Une petite save qui va enlever toute la magie de mon fond vert. C'est parti. Allez. Je sais pas pourquoi on l'a laissé filer, hein. On avait le flingue, on l'avait en joue. J'ai envie de regarder quand même vite fait les tableaux, parce qu'ils m'ont l'air bien jolis. Ah. On peut véritablement les regarder. 6 fois. Dieu, n'est donc pas perdu. Nous devons prier et ne pas renier notre foi. Nous attendons plein d'espoir. Le jour, le chemin du paradis s'ouvrira enfin. On va les lire dans l'ordre. Oui, oui. Ah non, là, c'est la création. 4. Dieu créa des êtres pour faire naître l'obédience envers elle. Le dieu rouge, Sushildbara, le dieu jaune, Lobselvis, de nombreux dieux et anges. Enfin, Dieu se mit à créer le paradis où le bonheur consisterait à s'y trouver. Mais cette conversion HD est très très belle. Vous êtes des vénards. 5. La promesse. Et là, Dieu se sentit fatigué et elle s'effondra. Les gens du monde entier déplorèrent cet événement, mais Dieu prit sa dernière bouffée d'air. Elle redevint poussière, promettant de revenir un jour. C'est une sorte de petite Bible inversée. On peut pas passer? Alors comment font les fidèles pour s'asseoir si on peut pas passer là? Hein? Bon. Ah bravo. Ah bah bravo. Et quoi, l'orgue il nous barre le chemin? On peut jouer un petit peu d'orgue? Non. L'orgue me sert à rien, je ne sais pas en jouer. Allez, on va commencer par le... Je pense que le premier vraisemblablement devrait être ici. Mes tableaux. Non, c'est le salut. Dieu créa le temps qu'il partagea entre le jour et la nuit. Petite faute. Petite faute que nous pardonnerons aisément. Mais oui. Dieu marqua la voie du salut et offrit la joie aux mortels. Mais Dieu prit l'éternel en échange. Une petite séquence contemplation, là.
la naissance. Un homme offrait, en fait j'ai pris ça à l'envers, hein. Un homme offrait un serpent au soleil et pria pour le salut. Une femme offrait un roseau au soleil et demanda la joie. Prenant pitié de la tristesse du monde, Dieu naquit de ces deux mortels. Oui, c'est une Bible à la sauce Silent Hill. Mais les tableaux sont remarquables. Un, origine. On aura tout fait dans le désordre. Au début, les gens n'avaient rien. Leur corps les tiraillait et leur cœur ne ressentait que la haine. Ils se sont battus sans cesse, mais la mort les éluda. Ils sombrèrent dans le désespoir de leur éternel bourbier. Ok. Très bien. Il y a deux portes qui s'offrent à nous. Ma place est ici. Pas de raison de retourner au parc d'attraction. Ok. Bon, on a la grande porte, évidemment. Et là, le verrou est cassé. Bon, on est au courant. Ah, le verrou cassé. Là, on était moins au courant. Alors, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse? Ah, ben, il y a une porte aussi, ici. Oui, elle a regardé à nouveau la save. Okay. Ah, l'image est à nouveau redevenue creepy. Là, on a un dessin d'enfant, là, hein, si je ne m'abuse. C'est la carte. Chapelle. Ok. Donc, ça fera un petit peu un truc comme ça, puis ça sera là, la chapelle. J'ai le plan d'une église. On va rallumer notre petite loupiote. Normalement, on a le plan. Hein. Voilà, donc on est ici. On était dans la chapelle. Et bon, bah je peux toujours tenter. Hein. C'est un confessionnal, là. Ce sont les écritures du culte. Elles n'ont pas l'air intéressantes. Petite cinématique. Dear God, please forgive me. I know I'll be put to death for the sins I've committed. And I'll go to my death gladly and with a peaceful heart. But please, grant me just a small piece of your everlasting mercy. Let me see my child once within your golden gates. Deliver me not to hell, but to purgatory. Allow me to atone for my sins there. I'll stand within the very flames of redemption, no matter how they burn me. Forgive me for my wicked act of revenge. And deliver the soul of my poor murdered daughter. Qui parle donc? Please. Also care for the soul of the girl whose life I have taken. God, I am a child, trembling with fear as I stare at death. Ce serait ma petite maman? Soothe my tortured soul with your infinite mercy. Please. Mais l'acting n'est pas mauvais pour une fois. Forgive me. En tout cas, ça la travaille drôlement, Heather. Qu'allez-vous faire? Dire je te pardonne? On pardonne, hein. C'est le propre, hein. C'est notre culture judéo-chrétienne, hein. On pardonne. I forgive you. Un bien fait. Savoir pardonner. Eh ben dis donc. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Il n'y a rien de plus à dire. Bon, on a pardonné, hein.
Alors ça va certainement influer sur une des fins du jeu. Hein? Faire un petit F5. On va reprendre vite fait le petit katana. Là ça va être fermé, hein, je vois ça. C'est verrouillé. Ok. Je zioote ma map. A priori, on n'aura jamais à y aller. Oh, lui, il est pas dur. Il fait peur comme ça, mais. Ah, mais si. Il donne des coups par derrière. Et me tue pas? Mon Dieu! Et voilà, bon pour la peine la mouche. J'avais fait un petit F5, heureusement. Bon, c'est une mauvaise idée, hein. Ah bah c'est bon, en fait, il m'avait remis au bon endroit. Bon, on va pas s'en occuper. Là, il y a une note quand même, hein. Il y avait quelque chose d'écrit, mais c'est trop tard pour être. Trop pâle pour être lisible. C'est trop pâle pour être lisible. Attends, ça m'intrigue maintenant. Ah, putain, attends, tu m'emmerdes. Merde. Je prends le katana. Le katana, le katana. On va le tuer, on va le tuer. Mais on n'a pas le temps de le tuer. J'ai envie de savoir ce qu'il y a d'écrit. J'ai pas envie de mourir. Allez, fuis. Mais je vous assure, on lui donne un coup, on n'a pas le temps de se barrer. Oh putain. Ah mon dieu, je suis désolé pour cette prestation. Je suis désolé, désolé. Oula, oula. Pyramidhead? Ah non. Qu'est-ce que j'ai donc fait pour mériter cette mort? Ah peut-être que tout à l'heure je l'ai passé sans faire exprès, hein. Alors, au moins ça nous a permis de voir une petite cinématique que je ne connaissais point. Parce que jamais je m'étais attardé à aller. Bon bah on va pas lire le truc, hein. Du point de vue des mon chargeur sur ce monstre. On aura peut-être l'occasion d'y retourner. J'ai plus de fusil à pompe. C'est comme lui là, j'ai pas envie, hein. Ah. Bon. Ça va recharger là. Allez, on mise sur quoi? On mise sur là? Allez, je mise sur ça. Est-ce qu'on peut le passer au moins? Sans vider son chargeur? Est-ce que c'est faisable? Oui. On a pas trop mal joué. Il y a une illustration d'un ange qui vole vers les cieux, rien de spécial. Y a quelqu'un qui chiale. Là. Je t'entends, hein. On est où là? Magnifique. C'était magnifique là. Bon, il va falloir poser des choses ou c'est juste un point de sauvegarde? Sainte Alessa, mère de Dieu, fille de Dieu, cette image, c'est moi. J'ai le bébé dans les bras. Et je suis le bébé tenu dans les bras. Il faut suivre.
Le moi qui cherchait la mort et a disparu avec Dieu il y a 17 ans. Et le moi d'aujourd'hui qui cherche la vie. Lui, c'est notre voisin, il était philosophe, je me rappelle. C'est Jean-Claude. Ah non, c'est Saint-Nicolas. Des mains miraculeuses, le médecin de Dieu. Forcément un autre petit tableau. Saint-Génifer. Une fois imperturbé par la lame du bureau. Une fois perturbé par la lame du bureau. Du bourreau, ça ne veut rien dire. Bon, c'est une salle de sauvegarde juste, hein. Bon, écoutez. On est là juste pour save. On n'a plus de balles. Je regarde mes petites armes là, vite fait, mais on a quoi? Si. On n'a plus rien, hein. On n'a plus que le flingue. Prendre le katana. Katana, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Hein. Il y a bien quelqu'un qui chiale là. Attendez. Ouais, non, 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 c'est juste un son. Allez, on retourne. Bah, on va essayer de feinter le gros. L'autre, hein, le lourdeau. L'empoté. C'est ça que je l'ai appelé, moi. Oh, on peut passer. Oh putain. On a eu du pot. On a eu le pot. Là, il y a de la munition, là. Une cassette. J'ai une cassette de magnétophone. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des papiers, là. Des factures, c'est quoi? Oh, c'est le sigil, mais c'est ce que j'ai derrière moi. Ce dossier contient un tas de papiers. J'ai l'impression que c'est la copie manuscrite d'un livre. Salut, Spidros. Excuse-moi si je vois ton message que maintenant. Représente la divinité appelée Nimbe solaire, symbolise un groupe religieux en termes d'héraldique. Les deux cercles extérieurs sont la charité et la résurrection, les trois cercles intérieurs sont le présent, le passé et le futur. Ah, j'ai tout ça derrière moi. Habituellement en rouge, parfois en noir ou d'autres couleurs. Le bleu qui le transforme en malédiction contre Dieu est interdit. Ces étagères sont couvertes de dossiers et de livres ennuyeux. Oui, ça me fait plaisir, Spidros, que tu passes me voir. Je ne vois aucune information utile ici. Bon, ben, on a fait le tour, hein. Je vais recharger mon gun. Ben, il était déjà rechargé. Mais alors, du coup, faut qu'on retourne... Oh, non, mais là, on peut pas passer. Attendez, attendez. C'est salaud. Je fais un F5 ici. C'est salaud. William, what do you think about that? When I open the door, the two monsters are here. Ah, ils sont plus là. Ah, mais merci. Oh, il m'a mis une petite calotte là derrière la tête pour me réveiller. J'ai bien compris le message, monsieur. Je m'en vais. Bon, je regardais le plan. En bleu, c'était interdit, hein. Qu'on se remette un petit peu de vie. Faut qu'on soit raisonnable. Faut être raisonnable là. Non mais je vais pas utiliser mes super... mes trucs qui me redonnent toute ma vie. Pas maintenant, pas là. Pas maintenant, Zinedine. La blague n'est pas de moi. Vous savez. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut poser le talisman? Non. C'est inutilisable ici. Évidemment, le parfum, alors ça sera toujours quelque chose qui... Ah, on a une carte de tarot, c'est vrai. Carte de tarot, œil de la nuit, je l'ai trouvée dans la chapelle, mais est-ce une vraie carte de tarot? Examinez. Carte de tarot, œil de la nuit, je l'ai trouvée dans la chapelle, mais est-ce vraiment une carte de tarot? Non, ça me veut pas. Et... non. S'il te plaît, sois sympa. Hein. Cassette de métophone. Il n'y a pas d'étiquette, mais les ergots ont été retirés. Elle vaut peut-être la peine d'être écoutée. Ouais, alors faut qu'on trouve un magnéto. Pas vu de magnéto, moi, Serge. Pas vu ça, moi. Là, il y a une chaise, ok. Bon, on va pas faire ça 150 ans. Il faut qu'on retourne quelque part. Ils sont partis? Ah non, non, c'est pas la bonne pièce. Il va me remettre une taloche ou non? Non, ça va.
Il y a un magnétophone ici. Bon, on va le tuer lui, hein. Je suis désolé, mais tu nous emmerdes. Allez, casse-toi. Il y a un truc d'écrit là. De toute façon, j'ai fait un F5, hein, si on s'est planté. Allez, non, recharge pas maintenant. Gourdasse. Il est mort. Allez, prends ça. Allez, là-haut, réveille-toi. Allez, ça c'est pour le plaisir. Résistant le bougoui. Use the shotgun. I can't, William. I have no ammo. William me propose gentiment d'utiliser le shotgun. Mais on n'a pas de balles. Qu'est-ce qu'il y a par terre là? Allez, on va pouvoir lire. Il y avait quelque chose d'écrit, mais c'est trop pâle pour être lisible. Les notes collées au cadre ne valent rien non plus. On l'a tué pour ça? Ah, sur le... les notes collées au cadre ne valent rien non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut éteindre la lumière? Faut quoi? C'est trop pâle pour être lisible. Enfin, j'ai aucune confiance dans la traduction française. Elle nous a déjà prouvé maintes fois qu'elle était, elle était pas du tout au niveau. Ah, ils sont là maintenant. On peut peut-être les tuer plus facilement. Ah oui, il y a toujours cette porte qui est verrouillée, mais on n'a pas de clé. Il y avait un magnétophone quelque part là. J'ai merdé. C'est quoi? Quoi l'histoire? Je vais revenir un peu sur mes pas. Bon, ici il y avait rien. Il n'y a pas de magnétophone. Le monstre faisait un peu de bruit, un peu un bruit de magnéto. Il en drop pas un pour ta cassette. Ah, tu vas me faire revenir. Allez, on tente l'idée de Spider-Rose. Si t'as raison, tu auras droit à la mouche. Non. Il drop pas de magnéto, Serge. Non, mais par contre, ça, vous voyez que c'est quand même très, très, très mal traduit. Le tableau est trop pâle. Qu'est-ce que ça veut dire, le tableau est trop pâle? Ah, elle veut même pas lire quand j'ai pas la lumière. Il y avait quelque chose d'écrit, mais c'est trop pâle pour être lisible. Ça veut rien dire. Les notes collées au cadre, je pense qu'elle fait référence à la feuille de papier, ne valent rien non plus. Aïe. Non, on va trouver un métier. Je croise les doigts pour la mouche. Ah, bon, allez. T'as quand même la mouche parce que t'as eu une idée. Les gens qui participent, ils ont le droit à la mouche. Vous êtes trop gâtés. Bon. Bon, il n'y a pas de magnétoscope ici. Hein. Dans l'église, à mon avis, le magnétophone. Hein, c'est pas trop l'ambiance. Moi, je me suis fait baptiser que là, quand j'avais 33 ans, il n'y avait pas de magnétophone. Hein. Le jour du baptême, il n'y avait pas de magnétophone, je vous le dis tout de suite. Hein. Il y avait de la bougie, il y avait de l'encens, il y avait tout ce que vous voulez. Il y avait du monde, déjà. Mais il n'y avait pas de magnétophone. Et là, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, j'ai l'impression de me souvenir de ce vitrail. Il montre Dieu et l'homme et la femme qui lui ont donné naissance. Quand j'étais petite, je venais tout le temps dans cette chapelle. Je venais prier Dieu et demander que mes vœux soient exaucés. Mais ça s'appelle communément avoir la foi. Hein. Mais ce n'était pas vraiment moi. C'était en fait Alessa quand elle était enfant. De toute façon, aucune de mes prières n'a été exaucée. Eh oh, tes états d'âme. Attendez, ça se trouve la cassette, on la lit pas, hein, on la mixe avec quelque chose d'autre. Il n'y a pas d'étiquette, mais les ergots ont été retirés. Mais les ergots, qu'est-ce que c'est les ergots sur... Je sais ce que c'est les ergots sur un chien. Par exemple, moi j'avais un bosseron. Je vais tout vous dire là ce soir. Les ergots sur un bosseron,
C'est son sixième. Les Beaucerons, c'est le seul chien où il n'a pas cinq doigts de pied. Il en a six. Et le sixième, ça, on appelle ça un ergot. Alors, sur une cassette, excusez-moi, il n'y a pas d'étiquette, mais les ergots ont été retirés. Elle vaut peut-être la peine d'être écoutée. Je sais pas ce que c'est un ergot sur une cassette. Hein. Je suis désolé. J'ai 41 ans, je suis français. Je connais pas ça. Ça n'existe pas. Ah, on peut combiner avec la cassette. Attends, ce combo n'a aucun sens. Bah, merci. Ah, ça a pas six doigts, une cassette, oui. Voilà. Ça me fait plaisir d'être suivi par une communauté qui a conscience des choses. Non, bon, on a une cassette qui a pas d'ergot, alors j'imagine que les ergots, c'est quoi? C'est le petit cache qui permet de réenregistrer par-dessus. Enfin, des fois, j'essaye de réfléchir alors qu'il faut pas. C'est un jeu, faut pas. On trouve des clés dans des canettes. Souvenez-vous qu'on a trouvé toutes les clés dans les canettes. Hein. On en vient à cliquer n'importe où après. Hein. Malheureux. Hein. Ah, ils font dodo. Bon bah on va pas les embêter. S'ils font dodo, ils me laissent pas passer. Si. Bon là il y a forcément quelque chose. Peut-être les ronds crantés au centre pour la rembobiner. Tu crois que ce serait ça les ergots? Peut-être. De toute façon, ça peut pas être autre chose. T'as certainement raison, Spyros. Je ne vois aucune information utile ici. Bah ben, moi, j'aurais bien aimé que tu trouves une information utile ici. Y a rien sur le petit pli là? C'est une petite chambre de. Vous savez, quand on part faire un. Je vais dire pèlerinage. Non, mais quand on part en quelque temps, vous voyez, pour prier, pour faire un peu le point. Ces étagères sont couvertes de dossiers de livres ennuyeux. Je ne vois aucun. Ennuyeux, non mais oh, on voit bien que c'est pas toi qui les as écrits. Je ne vois aucune information utile ici. Elle est bien insolente. Des livres ennuyeux. Parce que tu les comprends pas? Allez hop. Comment on l'a sniqué lui? Toujours quelqu'un qui chiale, hein, je suis désolé. Hein. Il y a l'illustration d'un ange qui vole vers les cieux, rien de spécial. Il y aura certaines énigmes, mon Dieu, on aura passé du temps. Hein. Moi, de ce pas, alors il va falloir tirer les chaînes, il va falloir faire quelque chose. Mais moi, de ce pas, je me remets full vie. Hein. Désolé. Il y a un truc à faire ici. Il y a de la chaînette, il y a quelque chose. Déjà, faut regarder où elle regarde. Bon, là, elle regarde, c'est normal, c'est là où on save. Faut rien faire ici. Il faudrait donner le tarot. Des fois, c'est quand même très obscur. Hein. Je viens de recevoir un message en direct de Nyctaras qui me marque désolé, j'ai pas eu le temps de lire la suite. Alors, a priori, il a une pauvre excuse pour pas être là sur le chat ce soir. Saint-Génifère, une fois perturbé par la lame du. Pareil, ça veut strictement rien dire. Une fois imperturbé par la lame du bureau. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'elle a l'échafaud, mais elle n'a pas été perturbée parce qu'elle a à la fois. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, avec nos objets? Je vous les rappelle, parce que je sais. Le talisman, il porte un dessin bizarre, gravé. J'ai lu après avoir battu Léonard. Ça, on peut le combiner. Attends, déjà, on l'examine de mieux, là. The Eye of Night. 12. Œil de la nuit, je l'ai trouvé dans la chapelle, mais c'est une vraie carte de tarot. Non, c'est pas une vraie carte de tarot, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec? On va la combiner avec ça. Oh non, puis il me dit que ça n'a aucun sens. On peut encore combiner autre chose avec. On peut tout combiner ensemble. Ah mon Dieu. Je vais utiliser mon sceau. Pas, évidemment, il veut pas. Mais même en essayant de suivre l'histoire, hein, c'est difficile. C'est difficile. Difficile. Attends, j'étais pas le dernier de la classe. J'étais pas loin d'être le dernier, mais là, il n'y a pas une petite chaînette à tirer, là? Il y a un truc à poser par terre. Il y a un truc à poser par terre.
Mais quoi, mais qu'est-ce? Et on bloque déjà, puis là, y a personne n'est là. Ta radio, elle n'a pas un lecteur cassette dessus? Non. Elle ne me prévient que des ennemis. En plus, je vois même pas. Niktara, c'est pas là, Léa est pas là, Tama n'est pas là, personne n'est là ce soir. Comment on va y arriver? Quand c'est des énigmes d'association, je suis pas mauvais, même pour le reste, mais il me faut un peu de temps. Lâcherai tout seul chez moi, comme il y a 10 ans quand j'ai fini le jeu, bon, je prendrai mon temps, je trouverai. Mais là, je stream, alors j'aimerais bien que ça soit fluide. Comprenez? Comprenez? J'aimerais bien que ça soit fluide. Non, non, non. De toute façon, je vous le dis tout net, hein. D'une façon générale, quand on trouve un objet, il sert autre part. Ça, c'est une règle de Silent Hill. Quand on trouve un objet, il sert autre part. Avec ces objets-là, on va avoir une clé. On reviendra ici. Ah, peut-être que ça va me permettre d'ouvrir. Parce qu'il dit que c'est pas vraiment une carte de tarot. Non, il va falloir combiner, sinon ils auraient pas mis le mot combiné, hein. Faut pas être idiot. J'en suis à écouter, à mettre ça sur ma radio, mais c'est. On peut même pas combiner. Non, non, là on est bloqué entre quatre pièces. C'est très énervant, comme d'habitude. Bon, j'y retourne parce que je suis idiot. Mais là, il n'y a rien du tout, hein. Ce sont les écritures du culte, elles n'ont pas l'air intéressantes. Il y a quand même Papy Brossard, là. Hein. Qui cela peut être? Bah, c'est Papy Brossard. Ah bah, peu importe. Ah bah, Papy Brossard, ça t'intéresse pas. Bon. Alors, les livres sont ennuyeux. Il y a le tableau d'un illustre personnage, ça l'intéresse pas. L'impression que cette gourgandine, rien ne l'intéresse. Moi, ce qui me fait très peur, c'est qu'il y a un truc à faire par rapport au tableau. Il n'y a rien là, ici. Vous avez vu comment c'est magnifique? Là? Ça fait un peu Resident Evil 4, hein. Magnifique. On peut pas se barrer? On peut pas tout simplement s'en aller. Bon, est-ce qu'on a loupé quelque chose d'essentiel, là? Là, il y a autre chose à prendre ici? Je ne veux pas save, hein, parce que ma dernière save est mieux que celle-ci. Hein. On va essayer la carte de tarot ici? Non, je veux absolument pas lire le truc de mon père. J'ai vu plusieurs fois. Voilà, on est comme dans les vieux jeux sur Amstram. On disait Amstrad. Et on tente tout. On est sur D en Tentacle et Indiana Jones. On clique. Non, non, non. Dans la salle de save, il y a un truc à faire. C'est une obligation. C'est une obligation. Hein? Faut faire par élimination. Faut essayer d'être malin. Malin. Essayer d'être malin. Si les gros nous bloquent la porte, c'est bien qu'il y a une raison. Hein, les gros bloqueraient pas la porte pour rien. D'ailleurs, ils ont repopé à leur endroit initial. Alors, toi, tu viens. Allez hop, je te feinte la gueule. Là, je vais te feinter la gueule. Non, non, si les gros sont là, c'est qu'il y a une raison. Il y a un fauteuil roulant ici, un vieux fauteuil banal. Au mur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des inscriptions un petit peu bizarres. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui chialait. Alors, je suis désolé, hein, y a pas d'autre mot, hein. C'était quelqu'un qui chialait. Là, il y a vraiment y a un truc à faire. Hello, salut Tama. J'étais justement en train de dire du mal de toi tout à l'heure. C'est rigolo. Salut Tama. Excuse-moi si j'avais pas vu, hein. Justement, il y a pas 5 minutes, j'étais en train de dire du mal de toi. Allez, Tama, dis donc. Alors, t'avais pas vu la mouche?
Oh oui, t'as des streams de retard, Montama. Je sais bien, mais ça fait plaisir que tu passes. Est-ce que tu peux nous aider, Tama, là? Déjà, tu nous as bien aidés sur Village. Allez, on va essayer de mettre la carte à chaque fois, mais ça va pas être ça. Ça va pas être ça parce qu'il faut qu'on combine. Alors, elle t'a plu la mouche? Allez, pour Tama, on remet la mouche. Et voilà, mais voilà, ça se professionnalise. Professionnalise. Moi, j'ai bien envie de dire qu'on est bloqué, hein. Vous vous souvenez de la dernière fois qu'on a été bloqué, hein? Ça a duré 1 heure. Et les autres parties, en fait, on a été bloqué 3 fois. Et à chaque fois, 1 heure. Mais les autres parties, nickel. Tout a été fluide. Mais là. Cassette de métophone. Il n'y a pas d'étiquette, mais les ergots ont été retirés. Elle vaut peut-être la peine d'être écoutée. J'ai envie de la combiner, évidemment, avec ça. Mais on pourrait l'utiliser où? Et puis ça servira à quoi, surtout? Get off here for now. Ok? Alors William a une idée. Il me dit de partir. Ok, and where I go, William? Where I can go? Please. À toute, Tama. Ok Tama, tu nous écoutes, c'est bien ça. On peut faire radio aussi. Where I have to go, William? Je demande à William où on doit aller. Il nous dit qu'il faut qu'on parte d'ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Il aurait une idée? De toute façon, on n'a pas mis l'endroit où aller, hein. Moi, j'essaye de comprendre. Non, il va. Monster already dead. With shotgun. Attends, get over. Alors, je parle anglais. Hein. Get off here for now. Go and kill the monster first. With shotgun. That white one. There are two white ones. And I have no shotgun. Il y a deux monstres. Il nous dit de tuer les deux monstres blancs, mais il y en a deux. Et j'ai pas de shotgun. I have no ammo for the shotgun, William. Ah. What is it? Hein? Bon, je vais les tuer pour faire plaisir à William. De toute façon. On va vider nos balles là-dessus, hein. On va mourir ici à cause de William. Il va mourir? Ah voilà. Ah, pas shotgun, stun gun. Ah, lui, j'en ai mis plein le cul là. Il a pas marqué stun gun. Ah, stun gun. Ah oui, pardon. Autant pour moi, autant pour moi. J'avais lu shotgun. Allez, on se fait l'autre. Mais l'autre, on va se le faire au katana. On va garder un petit peu de. Moi, je veux bien les tuer, hein, mais ça sert à rien. Et j'ai même pas le temps de me barrer. On n'a pas le temps de se barrer. C'est un jeu injuste. Regardez. Allez hop. On n'a pas le temps. Regardez le temps qu'elle met à se relever déjà. Voilà. Et j'ai fini Sekiro, hein. Alors c'est pas. Ok. Allez, c'est bon. Allez, on essaye de lui remplir les fesses avec notre bottine. On va voir juste combien de coups on peut lui en mettre dans les fesses. You have to kill it, bro. Ah bah voilà, ça y est. Mais William, il dit qu'il vient de Las Vegas, il dit plein de choses, mais moi je crois qu'il habite. Il habite à Ménilclinchamps. Il parle très bien français et il nous raconte n'importe quoi. Oh yeah, ok William, I killed them. So now. Voilà, je les ai tués alors, William? Hein? Quoi? Le verrou est toujours cassé, William, hein? So now, what I have to do, William?
Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant, William? Je suis en train de lui demander. Sur un ton un petit peu insistant et méchant. J'en conviens. Non mais William, il nous a raconté... Il comprend pas le français, donc on peut un peu dire du mal de lui. Il nous a raconté de la merde. William, il nous a raconté de la merde. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Ok, ok, continue the way. Mais... But we went here and there. On a déjà été ici et là. William, il nous raconte des conneries. Je suis désolé de le dire. Notre communauté est pas terrible. Pour ceux qui viennent d'arriver, là, qui seraient tentés de follow la chaîne, je serais vous, j'y penserai à deux fois. Hein. Pensez-y à deux fois parce que je suis suivi par des gens comme William. Hein. Qui me dit de faire des choses qui n'ont ni queue ni tête. Continue Zoé. Really, William? Continue Zoé? You are sure? Ah là 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 là. Je suis pas aidé, hein. Moi, je m'étais lancé dans cette grande aventure du streaming. Je me suis dit, bon, ça va changer ma vie. Je vais rencontrer des gens intéressants de par le monde. Ah bah oui, je rencontre des gens de par le monde. Ça, c'est sûr. Mais intéressant. So, William, don't come back here. Ah, il me dit de pas revenir là. Il a l'air de savoir quand même. Il me dit de pas aller là. Il a l'air quand même de savoir à peu près ce qu'il veut faire. Ok, William, where I have to go now, please? Je lui demande où je dois aller. En attendant, je vous mets la mouche. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. For now, you can do not hear anything. Je vous traduis. Pour le moment, tu ne peux rien faire ici. Try all the door. Retourne au cercle peut-être. Try all the door. Mais William, je suis à la fin du jeu. Je sais jouer à ce jeu quand même. Bien sûr que j'essaye toutes les portes. J'ai la carte. Regarde, William. Hein? Il m'inquiète, William, deux fois. Hein. Oui, je retourne au cercle. J'ai ouvert toutes les portes. I open all the doors. Just one is closed and we have to find the key. Juste une est fermée, on doit trouver la clé. Bon, ici, il n'y a rien du tout. Allez, on retourne au cercle rouge. On arrête les conneries. On va essayer de gagner du follower ce soir. On va être sérieux, là. Try all the doors. I know, William, I have to try all the doors. Je sais, William. Bon, ça, j'arrête pas de le regarder, mais... Attends. Allez-vous déplacer l'image de l'ange? Oui. My God, I found it. Mais il m'a pas proposé avant de pousser. J'ai trouvé. Et ça mérite un follow, là. N'hésitez pas, les gens. Il se passe de grandes choses ici, là, tout de suite. C'est encore moi qui ai mis les mains dans le cambouis, hein. C'est encore moi qui ai mis les mains dans le moteur. Oula. C'est qui lui? On le connaît pas. Oula, il est très rapide. Non. Mais c'était un boss lui avant. Mais je veux pas aller là, mais... Ah bah bravo. Bon, c'est pas grave parce que de toute façon on n'avait rien fait de spécial. Hein. On n'avait rien fait. On a juste perdu des munitions. Et à la limite, c'est... Allez, hop. À la limite, c'est même mieux. Tout à l'heure, c'était marqué juste qu'il n'y a rien de spécial. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière l'image. Après tout, les pleurs et les pas de cette fille ont disparu au-delà. Mais tout à l'heure, il n'y avait pas ça. Revenez en arrière dans la vidéo, vous verrez. Il n'y avait pas ça. Allez hop. Trop fort, William. Thank you, William. C'est grâce à William, hein, quelque part. Lui, on va le mindfucker. Voilà. Vous avez vu ça? Il est pas content. Il est vexé, là. Ok. Thank you, William. Dieu antique de sa lentille, leur étymologie, leur évolution, quelle barbe.
Bon, alors là, il va y avoir de la lecture, hein. Essayez de rester concentré. Toutes les religions évoluent par rapport à leur forme d'origine. Celle-ci n'échappe pas à cette règle. Tombée entre les mains des immigrants, elle fut profondément influencée par leurs croyances chrétiennes d'origine. Par exemple, les représentants traditionnels de ces dieux primitifs portent parfois les noms et présentent les caractéristiques d'anges chrétiens, d'où l'apparition de caractéristiques communes. Il existe également un rare exemple de la grande divinité, le créateur du paradis, ou le seigneur des serpents et des roseaux, adoubé du nom d'un démon. Bien sûr, le responsable ne sont pas les fidèles, mais leurs détracteurs. Eh ben, on a été bien content de lire ça. Hein, ça m'a bien éclairé. Ces bouquins sont vraiment étranges, je préfère ne pas y toucher. Oui, ben, n'y touche pas. Elle a peur des livres. On a trouvé une autre carte de tarot, William. We found another card. J'ai la carte de tarot lune. Vous entendez, il y a quelqu'un qui se pointe. Cinématique. Hiya, Heather. You show up everywhere, don't you? You make me sound like some kind of unwanted pest. Je l'aime pas du tout, lui, hein. Well, who are you anyway? Avec son petit gilet merdique là. Haven't you realized that yet? Yeah, j'aime pas you're du on tout. Claudia's side. I told you not to put me in the same category as that mad woman. Well, you're pretty loony Oui, yourself. certainement un fan, oui. Bien vu. It's true. We believe in the same God. But I'm quite sane. Ah oui, ça se voit que t'as tous tes esprits, toi. So why did you help me out then? Was that also part of trying to resurrect God? Parce qu'il a des dessins encore plus funestes. Common for people to worship the same God and still disagree. God? Are you sure you don't mean devil? Whichever you like. The point is that the point I is. Really am on your side. Ouais, j'en crois pas un mot. I don't want God to be born. Wouldn't be convenient. Much too unpredictable. So you've been using me to stop Claudia, is that it? Do your own dirty work. My dirty work? I think we both had our own interests in mind. You hate her too, don't you? You're the only one who can get it done. I don't have powers like you two. Besides, I always je n'aime pas suer. Hot, sweaty. Moi non plus, j'aime pas suer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Really? I'm just looking out for myself. Everyone does it. Il s'est fait plaisir, le traducteur, hein, là. Stagiaire. Don't stand there looking so smug. You're the worst person in this room. You come here and enjoy spilling their blood. And listening to them cry out. You il a des lunettes du futur. Vous voyez, il voit des choses que nous on voit pas. Il a des trucs sur la ses verres. Vous voyez ça? Vous voyez peut-être pas vous. Il est pas mal fait quand même pour l'époque, hein. Je vous rappelle que c'est un jeu de 2003. Hein. By the way, I forgot to ask you. Did you get the seal of Metatron? What's that? You don't have it? Leonard was carrying it. Mais oui, on l'a depuis le début du jeu. Oh là là, on aurait pu s'épargner plein de choses, hein. Yes, that's it. As long as we have that, we're fine. Ah bah oui, mais je l'ai depuis le début du jeu et on craint. On craint rien, j'adore. Ah merci, c'est quoi, c'est la Bible? C'est la Bible? Ils viennent nous filer un vieux bouquin satanique.
un vieux bouquin rempli de diablerie et nous parle de Mégatron. J'ai rien compris, mais j'adore. J'ai le livre Loi de l'autre monde. Alors, autant vous dire tout de suite que j'ai pas du tout envie de le lire tout de suite. Je vais plutôt lire ça. Non, on peut pas. Bon, là il y a quelque chose d'autre là. Il y a un livre sur le tarot. Ah mais moi j'ai pas envie de lire un livre sur le tarot. Le tarot est basé sur les 22 consonnes hébraïques. Il représente soi-disant le monde entier. Chaque carte, numérotée de 0 à 21, a un sens particulier. Les diseuses de bonne aventure les utilisent pour prédire l'avenir. Par exemple, la première carte, le magicien, est signe de création, de sagesse, de commencement ou de destruction et de fraude. La seconde, la grande prêtresse, est signe d'intuition, d'harmonie, de fidélité ou de dogmatisme et d'arrogance. Certains textes parlent du jeu Gardner possédant plus de 22 cartes. Ce jeu n'existe plus que dans la littérature. On dit que ces cartes supplémentaires étaient basées sur des voyelles hébraïques perdues et qu'elles symbolisaient un être détaché de ce monde, transcendantal, Dieu. Ok, bon, c'était pas très long, ça va. Par contre, celui-ci, on l'a lu, hein, on s'en souvient très 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 bien. On s'en souvient tellement bien qu'on s'en souvient pas. Il y a une feuille de papier ici, mais elle est vierge. Ah, je regarde sur ma carte parce que quand il y a un truc à faire, il me met un petit rond. Hein. Et là, il me met rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que on a le talisman Mégatron et on a deux cartes. On peut peut-être les combiner maintenant. Ce combo n'a aucun sens. Bah, au moins il en avait. Et là, le livre, les lois de l'autre monde. Allez, on est obligé de l'examiner. Je suis désolé. Seal of Metatron, c'est ce que j'ai dans mon dos, hein. Oui, c'est ça. Ce carré magique qui protège et pare bien des sorts s'appelle Armoire Vérin 7 ou Sceau de Métatron. Il fait son effet que la cible soit bien ou mal intentionnée. Son pouvoir place donc une lourde responsabilité sur l'utilisateur. Bah, dis donc. Ils sont pas dans la merde maintenant que c'est nous qui l'avons en main. Difficile à maîtriser, on évite de l'utiliser. C'est pourquoi on l'appelle Métatron. Comme l'ange éponyme Métatron ou Métraton, également appelé agent de Dieu. Eh ben d'accord. On a une cassette, on a un bouquin démoniaque, on a deux cartes de tarot, on a deux cartes Pokémon. Salut Bambina, comment tu vas? Ça faisait longtemps qu'on t'avait vu, hein. Ça a jasé, hein, sur le chat. Non, 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 non. Oula, je l'ai feinté deux fois. Il nous a pas eu. F5. C'est la fin du jeu, Bambina. T'arrives au bon moment. Hein. T'arrives toujours quand c'est le bon moment. Je te présente Spydros et William, que tu connais déjà, évidemment. Bon, il y a d'autres personnes, mais elles préfèrent rester incognito pour le moment. Elles sentent que c'est pas le moment ni l'endroit. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on faisait? Oula. Bah lui il est plus mort. Bah, attendez. Je regarde ma carte. C'est où le... Ah oui, il faut que je retourne là. Ah non, la taloche derrière la nuque, ça c'est pas l'esprit coubertin. Hein. Je suis vivante, je respire. Mais c'est très bien. Une excellente chose. Bon, maintenant qu'on a tout ça, là. Il m'a mis quand même une taloche, hein. On peut un petit peu bouiner, là. On a l'œil de la nuit, on a la lune. On peut rien faire. On n'est pas plus avancé. Moi, je vais bien. Excuse-moi, je t'avais pas lu. Moi je vais bien, seulement j'aimerais finir le jeu. Seulement le jeu ne m'aide point. Regarde donc Bambina, puisque ça a l'air de t'intéresser. Regarde ce que nous avons comme objet. On a une carte de tarot œil de la nuit. On a une carte de tarot lune. On a un livre démoniaque, les lois de l'autre monde. On a une cassette, mais alors attention, c'est pas n'importe quelle cassette.
Elle n'a pas d'ergo. Regarde, il n'y a pas d'étiquette, mais les ergots ont été retirés. Est-ce que toi tu comprends ce que ça veut dire? Romain, tu te souviens d'un streamer américain qui speedrunnait Final Fantasy en costume cravate? Bah bien sûr. Je l'ai toujours dans mes amis. Et maintenant il speedrun Final Fantasy 8. De temps en temps je lui dis bonjour. Pour voir comment il réagit. Il me répond jamais. Ou très peu. Je ne sais point quoi faire là. Dans les jeux vidéo, en règle d'une façon générale, hein, j'enfonce les portes ouvertes, des portes ouvertes. Quand il y a deux cartes, il en faut une troisième. Hein. Mais le problème, c'est qu'on en a que deux et je ne vois pas où aller pour avoir la troisième. Si son nom, s'il te plaît, ah bah je te retrouverai ça là, je peux pas te le donner là. Je n'ai pas de tête, hein. C'est pas un streamer que je suis. Hein. La dernière fois que je l'ai vu, il faisait du vélo d'appartement et il streamait en même temps. Comme je le dis. Et là, je serais bien tenté de repartir. Il vient du Dakota du Sud, oui. Oui, il vient du Dakota. Alors ne faisons pas de raccourcis, hein. Tous les gens de Dakota ne sont pas comme lui. Hein. Pitié. Oui, non, mais je l'ai, mais je l'ai pas sous la main, là. Je suis en train de streamer, là. C'est comme si tu me demandais d'aller page 26 dans le, hein, dans le roman Les Misérables et de te donner la première phrase. Je suis occupé, là. Je suis un peu occupé. En train de faire quelque chose, là. Je sais pas si t'es au courant. Hein, Bambina. C'est pas parce que t'as eu la bonne idée de trouver un super pseudonyme que ça donne tous les droits. Alors, il y a peut-être... Là, ils ont remis un monstre. Ça a peut-être débloqué quelque chose. Peut-être qu'on peut ouvrir cette porte avec les deux trucs de tarot. Essayons. De toute façon, on a pas grand-chose à faire. Hein. Moi, je combine tout ça et j'utilise. Non, ça n'a aucun sens. Maître. Oui, je t'enverrai son nom en privé. Je te trouve bien insistante. T'es tombée amoureuse de lui. Non, mais... Alors, si quelqu'un a une idée, là, ça serait... c'est le moment. S'il y a quelqu'un qui a envie de briller, là, en société, là, c'est le moment pour briller en société, c'est le moment, hein. Là, je suis bloqué. Je ne sais... Alors, je vais retourner à l'église. Ah, un peu, j'avoue. Tombe amoureuse du mec du Dakota du Sud. Bon, pourquoi pas? Il a un certain charme. Hein. Je peux pas lui retirer ça. Bon, on fait une save hein, qui va retirer mon fond vert et toute la magie du stream. Voilà. En fait, je suis dans mon salon. Voilà. C'est le costume cravate, ça. Oui, bah oui. C'est le prestige de l'uniforme. Moi, je sais pas quoi faire. Hein. Oui, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Si là, il y a des gens. Ils veulent briller en société, c'est le moment. Hein. S'il y a quelqu'un qui a la soluce, c'est le moment de briller en société. Hein. Je connais que au chat, il dit bon, Romain, je crois qu'il faut faire comme ça. American Boy. Ah. Et comment tu sais que je le connais déjà, Bambina? Hein, c'est ça qui m'intrigue. Comment tu sais que je connais ce speedrunner? Il n'y a rien de plus à dire. Bon. Là, ici, c'est sûr, on n'a pas besoin d'y retourner. Hein. C'est quelque chose... Hein. Bon. C'est fini. Par contre, cette petite porte... Bon, mais si elle était verrouillée autrement que par une... J'ai envie de dire, si elle était verrouillée autrement que par une clé, je crois que Heather nous le dirait. Nous dirait, ah, ça me semble curieux, il y a un mécanisme. Il y a quelque chose. Donc ça va être une simple clé, hein. J'en suis convaincu. Donc, on retourne... Alors peut-être qu'on peut lire maintenant. Oh là là, ne me touche pas, ne me fais pas de mal. Bon, lui fait dodo, là, le balourd. On est là. Si je retourne encore dans cette pièce, dans la chambre là, en bas à droite, on va encore... ça sert à rien.
Qu'est-ce qu'il y a? On aurait oublié quelque chose là où il y a le vilain? Je sais tout, mais je me souviens plus de son nom. Bah oui, tu sais tout, mais tu te souviens plus de son nom. Non, moi, en étant sérieux, je crois que ça se passe ici maintenant. Voilà. Il y a l'illustration d'un ange qui vole vers les cieux. En fait, ça ressemble plus à un ange déchu. Oui, c'est Lucifer. Alors, je vous apprends quelque chose. Lucifer, faut le décomposer en deux mots. C'est Luz et Fer, qui veut dire le porteur de lumière. Comme ça, vous aurez appris quelque chose ce soir. Bon, il nous faut trois cartes. Il y a trois tableaux, il nous faut trois cartes. On relit. Saint-Génifère, une fois imperturbé par la lame du bourreau. Très bien. Pourquoi pas? Sainte Alessa, mère de Dieu, fille de Dieu. Pourquoi pas? On va essayer de pas trop réfléchir et de faire bien. Des mains miraculeuses, le médecin de Dieu. Ok, bon, on a ces informations-là. D'accord? On a la carte de tarot de la lune. C'est bien ça. Regardez bien ce qui est écrit. Hein. Je l'ai trouvé dans les archives. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une très bonne carte. Ça ne veut rien dire. Je l'ai trouvé dans la chapelle, mais est-ce vraiment une carte de tarot? Il va falloir les combiner. Son combo n'a pas de sens, mais oui, mais... Mais je sais que toi, tu le connais. Je ne le connais pas personnellement. Je sais pas. On met le livre par terre? Non, là, on est en train de l'examiner. C'est pas ça. Moi, je voudrais... Papa me l'a donné pour mon anniversaire. C'est l'un de mes biens les plus chers. Je suis en train de faire n'importe quoi, maintenant. On va combiner tout et n'importe quoi. Bon, est-ce qu'il y a une âme charitable qui peut aller voir sur Internet? Parce que là, ça me gonfle. Il y a 10 ans, j'avais le temps pour ces conneries. Là, quand c'est trop tiré par les cheveux, hein, comme le coup du sèche-cheveux qu'il a fallu balancer dans je sais pas combien de centaines de milliers de litres d'eau juste pour tuer un monstre avec un sèche-cheveux. Bon, à partir de là, j'ai jeté l'éponge au niveau de la cohérence. Speedros, mon bon ami Speedros, ou Tamas, si t'es encore là, ou William. Il n'y a pas un de vous là, qui aurait internet? Ou même Bambina, t'as pas internet? Tu peux pas regarder là, vite fait ce qu'on doit faire avec les cartes? Sinon, bon, moi je fais F5 ici. Voilà, et puis je retourne là où il y avait le méchant. Peut-être qu'il faut le tuer. Hein? Peut-être que j'ai loupé quelque chose d'essentiel là où il y avait le méchant. Moi je veux bien essayer de le... Il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié ici, hein? C'est possible, hein. Ce truc sous le drap, ben, ça s'appelle un corps. Non, je ne vais même pas regarder. Là, il y a quelqu'un, hein. Regardez ça. Il est drôlement dangereux. Bon... Eh oh. Bon, il y a un truc qu'on a loupé ici. En même temps, ici, on a déjà eu une carte. Attendez. Là, ici, il y a une feuille de papier ici, mais elle est vierge. Il faut 5 cartes par parement. Il en faut 5. Putain, j'en ai que 2. Il y a une feuille de papier ici, mais elle est vierge. Il y a bien un truc à faire ici. On écrirait sur les cartes? Ça n'a aucun sens. Non, mais ça... En même temps, je me dis que c'est pas ça, parce que quand dans le jeu, depuis le départ, quand on a quelque chose à faire, je vous mets la mouche, comme ça, ça vous occupe. Depuis qu'on a le jeu... Depuis, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà. Quand on a quelque chose à faire dans une pièce, le jeu... nous met un petit cercle, nous dessine quelque chose. Donc il n'y a plus rien, il n'y a rien à faire ici. Il
Il y a uniquement, regardez, elle est où la porte? Ah, c'est un enfant qui a dessiné ça, c'est pas possible. Voilà, il y a uniquement cette petite porte-là, vous voyez la petite barre là, hein, qui est juste là, petite barre tout en bas au milieu. Il n'y a que ça qu'on peut ouvrir. Il nous faut une clé. Il manque des cartes. Ah oui, il manque des cartes. Ces bouquins sont vraiment étranges, je préfère pas y toucher. Non mais, on a tout lu, on a tout vu. Puis là, moi, j'ai perdu des balles contre le méchant, là. Je suis convaincu. Qu'est-ce qu'il regarde, là? Il regarde encore le truc des tarots. Je sais pas. Vous pouvez pas regarder juste un tout petit peu, parce que, bon, quand j'avais 15 ans, j'aimais bien perdre 5 heures. Mais maintenant que je stream, j'ai envie de jouer à un autre jeu, en plus. Allez hop, on en profite qu'il soit complètement con. Oh merde! Vous savez quoi? On est venu ici pour rien, donc F9. F9, c'est un petit raccourci clavier qui permet de relancer la dernière sauvegarde. Ça sera notre petit secret. Notre petit secret. Alors, prenez l'ascenseur pour descendre au... Ouais, me spoil pas tout non plus, hein. Il n'y a pas d'ascenseur. Non, non, mais là, tu me spoil tout, là, Spyro. On n'en est pas du tout là. Hein. On n'a pas de carte de pendu. Hein. Oui, alors d'accord, c'est pour avoir la carte du pendu. Alors, tu dirais qu'il y a un ascenseur dans l'église? Sorry, bro. I know the place of all cards, but I don't want to get you angry. Good night. I wish the best for you and other friends. Bye. C'est l'étape donnée après la carte lune. J'aurais omis. Tu veux dire par là que j'aurais été si bête que j'aurais. J'ai pas compris, Vénus, hein, ce que tu m'as dit. Hein. Enfin, je sais, j'ai compris, mais je vois pas pourquoi ça me mettrait en colère. Au contraire, ça m'aiderait. Alors, je retourne dans l'église. Il y aura un ascenseur dans l'église que j'aurais pas vu. Alors là, je serais vraiment tête en l'air. Hein, pour pas dire autre chose. Là, il y a un ascenseur. C'est bien ça, hein? Ah non, prenez l'ascenseur. Mais moi, j'ai pas vu d'ascenseur. Ma place est ici, pas de raison de retourner au paradis. Il y a un ascenseur. Moi, c'est pas ici. Mais moi, je sais pas où il est cet ascenseur. Ça m'aide pas plus. Tu me dis qu'il y a un truc à faire, mais je vois pas. Non, elle me dit pas que je suis bête. Elle me dit que je vais être en colère si elle me donne la réponse. Mais je vais pas être en colère puisque je le suis déjà. Comment je pourrais être en colère alors que je le suis déjà en colère? Il est pas là où le monstre qui court vite? Allez, on va regarder ça. On va regarder ça. Le monstre qui court vite. À chaque fois, on le réveille, hein, lui. Mais bon, il est pas le ballot. Alors tu me dis qu'il y a un ascenseur ici. Vous savez quoi, on va faire F5 là. On est dans la merde niveau vie, mais ah oui, il y a un ascenseur. Oh mon Dieu, mais bon, comment veux-tu voir que c'est un ascenseur? C'est moi qui suis complètement aveugle. Merci, merci Speedros. J'ai pas du tout. Depuis le début du jeu, il y a des cages et des trucs comme ça un peu partout. Comment je peux savoir que c'est un ascenseur? Regardez. Ah oui, elle jette un coup d'œil. Oh là là. Merci Speedros. Salut. Ouais. Merci, merci. Mais alors franchement, regardez. Depuis le début, il y a des cages, il y a des trucs comme ça. Comment voulez-vous? Si le jeu il met pas du sien, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Par contre, ce qui est bien, c'est ce que je dis toujours, c'est que tout temps perdu est du temps gagné maintenant. Parce que maintenant, on sait tout. Alors, la porte est ouverte à l'intérieur. Non, la porte est ouverte. À l'intérieur, il y a quelqu'un enveloppé dans un sac. Peut-être que non, il est bien mort. Oui, bah ouvre-le.
C'est curieux. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il y a quelqu'un d'autre par terre, là. Hein. Ça fait quoi de vivre avec un connard? Eh bah, Bambina, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il te donne pas le nom que tu dis ça. Qui me donne pas le nom de quoi, Spyros? So tell us if you know Roma needs our help. Répondez à Bambina. Ah ok. Hop. Un corps enveloppé dans un sac en plastique. Je m'habitue aux choses les plus étranges dans ce monde de fou. On a trouvé la carte du pendu. En fait, c'était tout simple, fallait prendre l'ascenseur. Mais quand même, tout ça est horrible. J'ai l'impression que je vais finir par devenir folle. Je suis peut-être déjà... Qui sait? Bah oui, mais bon, les états d'âme, c'est bien, mais prends la carte. Un corps enveloppé dans un sac en plastique. Ah non, parce que je ne suis pas pile en face. J'ai la carte du tarot du pendu. On va finir le jeu ce soir. Hein. Je répondais à Bambina, oui. Ok, je suis... Bon, bah Bambina, on risque pas de la revoir, hein, je vous le dis tout de suite. C'était marqué sur le chat. Hein. Pas d'insultes. Quand on se connaît pas derrière un ordinateur, c'est un petit peu facile. Puis moi, j'ai ma grand-mère qui regarde les VOD, alors elle aime pas trop voir son petit-fils se faire insulter. Moi, ça va, je gère, mais c'est pour ma grand-mère. Il y a un vieux journal sur le lit. Eh bien, justement, j'avais envie un peu de lecture. Cette écriture, est-ce le journal de papa? Que ferait-il ici? J'ai parfois encore l'impression que cette fille est la réincarnation d'Alessa. Je ne m'en soucie guère aujourd'hui, c'est pardonné. Tu as manqué d'amour, Cheryl, ou bien Alessa. Maintenant, c'est Cheryl et de nouveau Alessa. Cheryl et de nouveau Alessa. C'est bien compliqué, hein. J'ai l'impression qu'il se complique un peu la vie, hein, dans le scénario. Réincarnation ou pas, cette fille était mon plus beau trésor. Mais le nom était une erreur. À l'époque, je ne la voyais que comme le substitut de ma petite Cheryl. Quand elle saura la vérité, sera-t-elle accablée? C'est ça qui me préoccupe. Merci, papa. Alors, j'étais bien Alessa. Mais on le sait depuis 5 heures que t'es Alessa. Mais ne reste-t-il pas en moi une petite trace de souvenir? De souvenir? Je me souviens de maman, si douce, si gentille. Ils ont envie de nous faire chialer. Voilà. Voilà ce qui se passe. Aucun livre n'attire mon attention. Bien que l'étagère et les livres soient les mêmes que ceux de papa. Et quoi, on peut pas passer? Alors, la pièce est agencée d'une façon où là, le meuble est là, le lit est là, et on peut pas passer. M'agace. Là, il y a une petite rose par terre. Là, j'ai une pile de pistolets paralysants. On va avoir une nouvelle arme? Oui, Bambina, on ne la reverra plus. Attendez. On est là. On revient de là. Il y a plein de choses qu'on n'a pas faites là-bas. Hein. Je suis désolé. Mais il va falloir éclaircir ça. Hein. On est là, lui, à nouveau. Mais non, il pouvait pas me toucher là. Là, la hitbox, elle est. Sorry. Enfin, désolé, mais la hitbox, là, ça va pas. Bon, là, on en vient. Mais n'importe quoi. Allez, non, tu ne me touches pas là. Pas possible. Il y en a deux. Oh là 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 là. Mon dieu, allez. On est où là? On est où? Ok, donc je continue et je tourne sur ma gauche. Non. Là, il y a une porte. Ah, bravo. On va finir le jeu, hein. Non, mais... Bon, là, je me remets de la vie, hein. Je suis obligé, hein. Je suis désolé pour le suspense. Allez, hop. C'est la fin, là. Quoi donc? Allez, on trace.
ça devient de plus en plus inquiétant. Il y a 5 cartes, hein, il nous en manque 2 donc. Il y a encore de la chialade. Alors lui on l'avait déjà vu, il tournait déjà sa manivelle. Hi William, sorry I was watching another person, Salantil, and it was a mistake, I joined here, I was watching here and I updated that guy. Bah, ça fait toujours plaisir. Ah, je sens que ce soir ça va ban. Attendez, c'est pas possible. C'est pas possible. Ici, il y a forcément quelque chose à faire. Je suis en train de repartir là. C'est curieux, hein. Je regarde ma carte. Non, il y a rien à faire. Il tourne des petites manivelles. Et regardez, il y a des jambes de deux enfants. Il y a quelque chose d'écrit. Bon. Ça sera peut-être là qu'il faudra se rendre après. Pour le moment, à part lui tirer dessus, j'ai pas envie de gâcher mes balles. On va continuer notre petit périple. Non mais on reviendra ici, c'est sûr. Tiens, dis-moi Spyderose, toi qui a l'oreille musicale, est-ce que le son est trop fort du jeu? Toi qui dans une autre vie aurait pu être sound designer, est-ce que le son du jeu est trop fort, hein? Bon alors là, si on trouve pas une carte de tarot... cette espèce de paysage, je me souviens plus d'où il vient. Enfin, peu importe. C'est quoi, c'est notre petit... on a la clé. J'ai la clé en l'étant. Bon, bah on sait à quoi va servir. Hein. Et là, qu'as-tu dans ton panier? Petit matelas. Drawing block. Un bloc pour dessiner. C'était mon carnet à croquis il y a 17 ans. Il y a une photo de papa sur la couverture, pas terrible. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, j'allais dire, je suis content, on va pas être obligé de le lire. Ah, send me his channel if he plays. Ok, je vous laisse discuter entre vous. La porte tremble, mais elle est parfaitement coincée. Un secret se cache hors de ta vue. Tu penses peut-être, qu'est-ce que c'est? Trouve 5 cartes magiques et tu verras. Bon, on est déjà au courant, il nous faut 5 cartes de tarot. Que faire de tout ça? Ah, il va nous le dire. Je te le dis sans ergoter, mais avant, il faut dire s'il te plaît. S'il te plaît. Tu ne dois pas oublier qu'il y a quelque chose dans chaque rangée, mais c'est loin d'être tout. 3 serait de trop. Le sang dessus-dessous, enterré. À sa droite, à sa gauche, personne. Laisse-le donc se sécher ses larmes profondes. Oh mon Dieu, la traduction. La lune est haute dans le ciel, pleine ou partielle, dominante. Des feux étincelants font couronne sur la tête du fou. Votre Excellence, qui priez au Tout-Puissant, que cherchez-vous en vain dans le ciel nocturne? Il a dû suicider le traducteur, hein, le stagiaire, juste après tout ça. Hein. C'était sa dernière malveillance d'avoir traduit le jeu. Tu l'as maintenant? Tu n'as pas oublié? Une chose vitale à ne point omettre. Et enfin, avant de prendre élan, voici un autre indice contre les égarements. Peur et haine animent l'hôte de la nuit. Il a pris des mots, il a mis ça dans un sac, il a mixé le tout là comme ça, et puis hop, il a fait des phrases. Attention, non pas à droite, tourne à gauche pour ne pas le perdre de vue. Alors, tu veux ouvrir la porte? Pour moi, c'est sûr, elle ne mène à rien qu'à des contrées effrayantes. Oublie tout ça, reste ici à jouer. Ne me laisse pas seul ici toute la journée. C'est exactement ce que je me dis quand je pense à vous. Les étagères sont couvertes de livres. C'est Alissa qui a fait ses griffonnages par terre. Elle dessinait tout le temps ses monstres quand elle était toute seule. Elle dessine avec Claudia aussi. Un papa et une maman parfaits. Et une école sympa. Un monde agréable où tout le monde sourit et plaisante toute la journée. En bref, tout ce qu'on n'a jamais eu. Ok. C'est la robe d'Alissa, on la voit dans Silent Hill Origins. Excellent à faire sur PS Vita hein, si vous l'avez craqué. Ou sur PSP. Mes vêtements, quand j'avais 7 ans, ils ne me vont plus. Bah oui, heureusement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un petit calepin là.
Si just be... Bon, j'ai pas besoin de traduire, il va nous le faire. C'est peut-être mieux que je traduise moi-même. Un calepin. Il y a quelque chose d'écrit dedans. Elle est juste derrière cette porte. Je ne sais pas comment, mais je le sens. Mais elle n'est pas toute seule. Je sens quelque chose d'extrêmement dangereux. De dérangeant même. Ou peut-être ce qu'ils appellent Dieu. Néanmoins, je vais ouvrir la porte. Assez de ce baratin. Je ne suis pas Dieu, mais j'ai bien l'intention de le sauver. De la sauver. Non, de les sauver. Les dernières lignes remontent à 17 ans. On dirait que papa a écrit ça. Ah, oh, tout s'éclaircit d'un voile. Hein, tout s'éclaircit d'un voile. J'ai... Non, c'est pas moi. C'est Alissa qui a écrit ça il y a longtemps. Cet hôtel. C'était pas celui de cette belle chapelle, c'est un autre hôtel. Je vais vous laisser, moi. Bonne fin de stream, à bientôt. Et ben je t'embrasse, Spydros. T'embrasse fort. C'est gentil d'être passé, ça me fait plaisir. J'espère qu'on n'a pas loupé une carte. On en a combien là? Une, deux. On en a trois, putain, il en manque deux. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Hein. On a 1h47. On a la clé en laiton. C'est là où il faut qu'on se dirige, évidemment. Allez, on sort, on va à droite. On va tout droit. Après. Et après, je recheck la map. On sort, ma droite à moi. On refait un petit point là. On va au bout quoi. Oh là 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 là, on est passé. Alors je sais pas par quel miracle. Mais on est passé. Bon, on reprend l'ascenseur. Non mais là vraiment j'avais pas vu que c'était un ascenseur. Le jeu depuis le début a des cages d'acier un peu partout comme ça. Donc on est là. Oui oui je sais déjà. On retourne. On va retourner ouvrir cette petite porte. Par ici mon ami. Là il y a les deux. Il y a les deux gros. Comme j'aime les appeler. Oula, 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 oula. Vous avez vu ça? Oula, là, oula, là, là. Mon Dieu. Là, tout le budget est passé dans cet effet, là. Et là, c'est sur la gauche. Hein? Non, merde, là. C'est là. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Mais la caméra, s'il vous plaît. Je me suis planté? Ah, c'est ici, pardon. Mais comme tout est devenu rouge, j'ai eu un petit souci. J'ai utilisé la clé en laiton. Bon, il y a encore un gros, hein. Bon, on peut peut-être le contourner. Un truc à lire? C'est un polycopier avec résolution de notre classe, écrit dessus. Il ne mentionne rien à propos d'abandonner ses amis ou de greffonner sur les pupitres. Oui, là, on est dans une espèce de maelstrom, de souvenance, de quand on était petit. Voilà, voilà. Là, ça a été gravé au schlass. Rentre chez toi, crève, voleur, C'était à Alissa, enfin, c'était mon bureau avant. Eh ben dis donc. J'aurais été l'institutrice, ça serait certainement pas passé comme ça. Hein. Je vous le dis tout net. Allez, qu'est-ce qu'on a trouvé? Il y a un vieux calepin sur le podium. Tiens, il y a une lettre collée dedans, voyons. J'ai une Alissa dans ma classe. Si tu as de la mémoire, tu te souviendras d'elle. Tu sais, c'est celle qu'ils appelaient la sorcière. Je crois que sa mère lui cogne dessus. Je l'ai jamais vue sans une trace ou un bleu. Elle a l'air vraiment renfermée pour une fille de 6 ans. Bah oui, si elle se fait cogner dessus, tu m'étonnes qu'elle est un petit peu renfermée. Non, la prof, elle est pas très psychologue, hein. Elle est pas très pédagogue. Peut-être que ce n'est pas si rare que ça. Mieux vaut observer patiemment plutôt qu'émettre des opinions inutiles. On doit bien pouvoir l'aider. J'ai pensé consulter un avocat, mais j'ai un petit doute. C'est pour ça que je voulais t'en parler avant, à toi mon ami. Elle a un petit doute alors que la gamine de 6 ans, elle a des bleus. K. Gordon.
D'accord. Donc là, maintenant, nous nous trouvons ici. Et on a deux portes à faire en face de nous. Ah, on peut utiliser la cassette ici. Allez, on le fait tout de suite. On perd pas de temps. On en a assez perdu. Allez où? C'est inutilisable ici. Ah, j'adore. Il y a un magnéto cassette. Il a l'air de fonctionner. Mais alors? Ah, il fallait que je lise avant. Do you know about what happened here 17 years ago? You've been here a long time. You must have heard some details. A group of pagans, blinded by earthly desires, spit in the very face of God. They tried to use the seal of Metatron to prevent God's awakening. But God drove the unbelievers away and threw them into the abyss. But due to their wickedness, God was unable to be born properly. And so, she has slumbered ever since in the womb of the Holy Mother. Until the time of the awakening. That's all that I know. That's it, huh? Well, thanks. Father Vincent, I heard that the Holy Mother has been found. Is it true? Is it true? Clarissa has been found? Did Claudia say that? Yes. Then it must be true. Her sight rarely fails her. Bless the Lord. Maybe it's because of her great faith. But I could never be like her. I wouldn't want to. Nor I. The truth is, Sister Claudia frightens me a little. Well now, let's both show our faith by forgetting about this little talk, okay? Yes, but... Ça sera leur petit secret. This land will finally be the home of eternal paradise. If God wills it, my sister. If God wills it. Ouais, bon, ça nous a bien aidé à rien comprendre. C'est parfait. Des lettres? Non, peut-être des suggestions. Le peuple commence à exprimer son mécontentement du père Vincent qui utilise l'argent de l'organisation à ses propres fins. Il vaut PMU. On dit aussi que le père Vincent a extorquer des dons de certains fidèles. Une telle personne convient-elle à un tel poste? Je suis mal placé pour démentir ce qu'il a fait pour élargir l'organisation. Même si nous croyons en Dieu, et s'il y avait une espèce de rassemblement, ne devrions-nous pas être moins appréciés pour notre talent sans borne ou notre éloquence que pour l'étendue de notre foi? LS. Allez hop, pareil, les états d'âme là. Bon, on a checké cette porte-là, très bien. Il en reste une en face et une autre un petit peu plus à droite. On va faire celle en face, si la caméra veut bien. Oula, oula, oula. Oula, là, il y en a trois, là, carrément. Mais oula, oula, mais c'est une porte piège, ici. À moins qu'il y ait une carte. Mais bon. Et là, il y a une autre porte. Et voilà. J'ai la carte de tarot grande prêtresse. Et là, là ils en avaient ras le cul. Il y a une vieille carte d'anniversaire sur le bureau. Ah non, je crois que c'était encore une autre carte de tarot, la cinquième. Alors, elle s'accrochait encore à ça. Happy birthday. À ma petite Claudia, heureux sixième anniversaire. Je t'aime comme ma vraie sœur, meilleur vœu. Bravo. Ok. Bon, ça fait 1h55 de stream. On va s'arrêter là et on finira demain à 9h. Hein. Je pense qu'il reste encore une heure et demie de jeu. Je remercie tout le monde d'être passé. On terminera demain. Ah, ça me fatigue, hein, je vais pas vous mentir. Un peu fatigué. Ça fait 2 heures de stream. Donc n'hésitez pas... attendez, la mouche, évidemment. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Alors, tous les soirs à 20h, à 21h, pardon. Donc, je remercie William, je remercie tout le monde d'être passé, ça me fait très plaisir. Je vais vous laisser sur mon excellent générique de fin. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez
les survival horror et les quêtes non élucidées. À très bientôt. Thank you.